Eh bien yop tout le monde, c'est tout simplement Rage Mythix, ou plutôt Legacy Mythix, président de la structure Legacy Gaming, pour vous servir. Et avant que toute la vidéo commence, les gars, oui je sais, je vais me présenter, tout simplement pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, etc, etc. Donc je me présente, je m'appelle Nico, enfin Nicolas, appelez-moi Nico, ça sera mieux, alias Mythix, tout simplement. Je suis un nouveau membre de la Neurage, je suis rentré à l'époque où Noshoot était le leader de la team Neurage. Aujourd'hui c'est Deathskill qui l'a récupéré, pour ceux qui ne savaient pas. Et je remercie d'ailleurs les deux leaders, enfin leader Deathskill et l'ancien leader Neshoot. Également, je remercie tous les membres de Neurage de m'accueillir au sein de leur team. Pour ceux qui me reconnaissent, je suis également le président de la structure Legacy Gaming, car oui, c'est une structure et non une team perf, etc., comme certains peuvent le croire. Et tout simplement, aujourd'hui, je me présente donc tout simplement pour vous faire un nouveau commentaire. Donc, je suis commentateur et monteur vidéo sur la Neurage, et j'espère vous retrouver un long moment avec moi, tout simplement pour un max de vidéos plus ou moins travaillées, que ce soit sur des top 5, etc. Et bientôt pour des edits, mais il faut suivre ma chaîne. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, tout simplement, on part sur un gameplay triple nucléaire sur Black Ops 3. Oui, BO3 est un peu le seul jeu que les gens aiment, et donc on vous en propose une magnifique triple nucléaire sur la map Stronghold, réalisée par Zane, qu'on salue. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description. Et tout de suite, on part pour le premier YouTuber, tout simplement, du top 5 des YouTuber code oublié. Et oui, il y en a beaucoup, et tout simplement, alors je précise d'abord hein, que les youtubeurs que je vais citer ne sont pas forcément oubliés, seulement ils ont arrêté en tant que youtubeurs Call of Duty, ne sont plus youtubeurs Call of Duty, mais ils sont très bien youtubeurs tout simplement. Voilà, donc faut prendre avec des pincettes le petit titre de la vidéo. On commence tout de suite avec Wartek. Wartek, donc Anil alias Wartek, a réalisé pendant près de 7 ans du gaming sous le nom de Wartek, considéré à l'époque comme l'un des anciens meilleurs joueurs au sniper sur la licence Call of Duty. Il a notamment fait partie de la team très prestigieuse de la FaZe Clan, et tout simplement, on sait à peu près que ça de lui un petit peu. Donc voilà, il arrêta sa carrière Call of Duty afin de se lancer dans sa nouvelle passion qui est la technologie, ou plutôt la tech comme il aime l'appeler. Il parlera dans ses nouvelles vidéos qu'il a fait jusqu'à présent, tout simplement des drones, des caméras, des appareils photo, des tutos un petit peu, des tutoriels, des retouches photo, du montage vidéo et plein d'accessoires. Il présenta également pas mal de reviews d'accessoires, d'équipements technologiques, etc. Technologiques, pardon. Et bien d'autres encore, tout simplement. Il fut notamment en couple, alors ça il faudra le vérifier, mais il fut notamment en couple avec la youtubeuse Enjoy Phoenix, que tout le monde connaît un petit peu, une youtubeuse maquillage, etc., qui en soi doit être super sympa en plus. Donc voilà, pendant un petit moment, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout simplement. Et malheureusement, depuis un petit peu, depuis Anil, donc alias Wartek, continue ses vidéos en partageant sa passion de la technologie, et il totalise un très gros nombre d'abonnés. Voilà. On passe tout de suite au youtubeur numéro 2. Il s'agit tout simplement de Hypnotic84. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, qui viennent tout juste de débarquer sur BO3, Hypnotic84 c'était un youtubeur Call of Duty, c'était l'un des plus gros à l'époque, donc je vais vous faire un petit peu sa description. Si vous me voyez lire sur l'écran, c'est normal, j'ai tout noté pour faire vraiment un résumé assez complet. D'ailleurs, dites-moi si j'ai oublié des trucs, etc. En plus, c'est un ancien membre Rage, hein, les Rage, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors, Hypnotic84 alias The Tiki Libby Family commence à YouTube sur la licence Call of Duty en juillet 2008. Ouais, ça fait beaucoup d'années. Avec des vidéos sur Black Ops notamment, où il présenta des tutoriels sur Call of Duty, des astuces et surtout des putains de carnage. Oui, je le dis, le mot putain de carnage. C'était vraiment un très très gros joueur, je l'ai suivi, j'étais fan de lui avant. Voilà. Très vite, Hypnotic84 s'améliore et produit de plus en plus de gameplay et évolue notamment dans la Neurage. Et oui, c'était un ancien Neurage, qui resta une des meilleures teams perf de son époque et qui d'ailleurs restera l'une des plus grosses teams FR à l'heure actuelle, même si elle n'est plus trop active d'après les rumeurs. Alors que pour être franc, la Neurage est une famille et il y a plein de projets, restez connectés. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Plus les années passent et plus Hypnotic84 commence à privilégier sa vie personnelle et se détourna petit à petit de YouTube. Eh oui, la vie est plus importante que YouTube. Eh oui. Et tout simplement, il se tourna vers un nouveau projet, un nouveau format de vidéo qui s'apparente un petit peu à des vlogs, etc. Et qui marche très très bien au début. Et qui malheureusement ont un petit peu arrêté un petit peu de faire ses vues vers la fin. Donc tout simplement, à nos jours, il ne fait plus trop ses vues. Mais bon,
Voilà. Depuis un certain temps, il continuera à faire des vidéos plus ou moins avec sa famille, des défis, etc. Et ça marcha plutôt bien. Et ce qui nous a d'ailleurs permis de voir un Hypnotic 84 complètement différent de Call of Duty, des moments de rage, des moments de carnage, de la performance et autres. C'est vraiment un Hypnotic 84 décontracté, quelqu'un de vraiment zen, etc. et qui aime faire ce qu'il fait. Malheureusement, malgré un total de 43 000 abonnés, Hypnotic 84 ne produisa plus de contenu à ce jour depuis aujourd'hui. Donc là on est le 11 septembre 2017, il n'a plus produit de vidéo depuis 6 mois, en espérant qu'un jour ce cher ami nous revienne dans l'anneuillage et nous fasse jouir de sa passion. Voilà, t'as eu des pensées un peu bizarres. On passe tout de suite au numéro 3, et c'est plutôt une gameuse plutôt qu'un gamer, ou plutôt une youtubeuse. Il s'agit tout simplement de WeedyGirl. 31, pardon, donc WeedyGirl 31, alors moi j'ai pas eu énormément d'informations, alors là-dessus je remercie Iron de m'avoir donné ces infos. WeedyGirl 31 a commencé YouTube en 2012 avec un gameplay sur Dead Island et pas mal de divers jeux, etc. Très vite, ses vidéos marchent bien et elle continue sur la licence Call of Duty. Ses vidéos suivantes sont tournées vers cette licence et elle commença même à faire des commentaries il y a maintenant 5 ans, des face commentaries, notamment sur MW2 et MW3. Elle lança quelques mois plus tard sa série des défis sur Call of Duty, mais également dans sa vie IRL. Oui, elle réalisa également des défis en IRL, tout simplement, ce qui la fit très vite connaître. Elle comptabilise à ce jour 16 000 abonnés, mais n'a plus sorti de vidéo depuis 2 ans. Donc, WeedyGirl, si tu nous vois, C4, bah, revient également parce qu'elle a également fait partie de la Neurage. Voilà, donc c'était un petit peu l'info comme ça. Enfin, d'ailleurs, Dead Skill, si tu passes par là, n'hésite pas à me contredire dans les commentaires. Voilà, on passe aussi au youtubeur numéro 4. Il s'agit tout simplement d'un grand youtubeur que j'ai eu moi-même l'occasion de parler et que j'étais très fan d'ailleurs. C'est mon cher ami TheFragHD. Alors TheFragHD, lui, a débuté son aventure YouTube en 2012 avec des top 10 sur une série Modern Warfare 3 et également sur Black Ops. Attention, je dis bien sur Black Ops parce que sa première vidéo, il y a maintenant un peu 3 ou 5 ans, je sais plus, c'était, si je me trompe pas, sur Call of Duty Black Ops, où il avait réalisé le top 10 kills, et c'est d'ailleurs lui qui avait lancé ça un petit peu, en suivant un peu ce qui marchait sur YouTube à l'époque, tout simplement. Donc ces vidéos, par la suite, il enchaîna sur des gameplays BO1 et MW3, comme je vous avais dit, avec tout simplement des astuces pour obtenir la Moab, pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de l'avoir. Je vous garantis qu'il nous a vachement aidé là-dessus, et c'est vraiment très bien de sa part, parce que grâce à lui, j'avais réussi la Moab, tout simplement la fameuse Moab. Il continue à son chemin sur YouTube Call of Duty avec des vidéos trolls. On connaît tous les trolls of Duty sur Black Ops 2. Mon dieu, je me suis tapé des barres. Alors vous savez, pour tous ceux qui viennent de Black Ops 2, vous vous rappelez, il y avait Dailymotion qui nous faisait très bien rire. Et il y avait tout simplement TheFragHD. Alors TheFragHD, pour moi, il m'a fait rire dans tous les sens du terme. Vraiment, genre, j'adorais ces trolls. Il faisait des défis what the fuck, il y allait au couteau, il y allait en mode zbub zbub zbub. Non, c'était vraiment génial. Et vraiment, bah, j'espère un jour qu'il va reprendre ça un petit peu, si ça tourne bien pour Call of Duty. Mais voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu d'être assez connu. C'est d'ailleurs ses vidéos les plus vues actuellement, donc voilà. Enfin, c'était ses anciennes vidéos les plus vues sur Call of Duty, en tout cas. Par la suite, il débuta les vidéos top 5 et réactions, etc. Ce qui sont toujours le principal contenu de sa chaîne actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, il fait toujours des vidéos réactions ou top 5. Mais attention, c'est des vidéos qui sont, pour la plupart, assez travaillé en fait, puisque d'habitude les vidéos réactions c'est pas vraiment travaillé, hein. Je vous donnerai pas des exemples, sinon je vais avoir un drama, mais il y a énormément de youtubeurs qui font ça, mais lui a vraiment trouvé sa route, son chemin, et ça a plutôt bien marché pour lui. D'ailleurs il a changé son contenu de Call of Duty, troll, etc. à ces vidéos là il y a un an, donc voilà, et voilà, je lui souhaite tout simplement que du bonheur. D'ailleurs sa dernière vidéo date d'il y a 2 heures si je me trompe pas, ou 2 jours, je sais plus, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne si vous ne le connaissez pas. On passe tout de suite au dernier, ni plus ni moins, le cinquième youtubeur. Et alors lui, il est assez méconnu. Moi-même, j'ai eu du mal à le connaître, donc j'ai fait quelques recherches. Donc on part tout de suite, il s'appelle tout simplement Tony Merguez. Alors Tony Merguez, Tony alias Tony Merguez, fut également un youtubeur qui débuta sur la licence Call of Duty. Le but de sa chaîne était de divertir, que ce soit à travers les jeux vidéo, son histoire, etc. Je vais éternuer. Non, c'est bon.
Tout simplement, son but était de divertir, que ce soit à travers ses gameplays, le monde du jeu vidéo, ou tout simplement par son histoire et son vécu de sa vie personnelle, et également à travers le sport, qui est l'une de ses passions favorites. Il faut savoir que c'est un boxeur professionnel, si je me trompe pas. Donc, passer de Call of Duty à boxeur professionnel, il y a un long chemin. Et voilà, en tout cas, il nous fait partager sa passion autour du sport, etc. D'ailleurs, sa chaîne a été longtemps, pour les derniers jours, elle a été longtemps développée sur la boxe, etc. Et il se fait connaître notamment par rapport à ça. Aujourd'hui, il propose donc essentiellement des vidéos de boxe tout en vous divertissant. Et tout simplement, il a repris YouTube en février 2016. Il en est très satisfait de sa communauté qui a évolué depuis Call of Duty, où c'est devenu vraiment une communauté de boxeurs, de fans de boxe, ou tout simplement de fans de sport en général, où il explique d'ailleurs ses techniques pour s'entraîner, etc., où il présente même ses entraînements. Mais voilà. Mais tout simplement, sa communauté qui le suit jusqu'à présent s'est un petit peu arrêtée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Tony Merguez réunit une communauté de 128 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Mais malheureusement, sa dernière vidéo remonte à 2 mois. Effectivement, il n'a pas eu, peut-être pas eu le courage ou peut-être plus le temps de continuer YouTube. Et ça me désole un petit peu parce que j'aurais aimé le rencontrer ou même le connaître. Donc tout simplement, voilà. En tout cas, c'est un très bon YouTuber. J'ai pu voir un petit peu ses vidéos et c'était vraiment quelqu'un de énorme. Lui n'a pas fait partie de team, etc. Mais en tout cas, ça a été très bien pour sa part. Et vraiment, j'ai kiffé regarder quelques-unes de ses vidéos. Malheureusement, au bout de 2 mois, ne plus faire de vidéos, bah, ça arrive tout simplement. Voilà, tout simplement les amis, j'espère que ce top 5 des 5 youtubeurs Call of Duty oubliés ou plutôt un peu zappés, etc., donc un peu disparus, etc., vous aura plu. Moi, j'espère que mon commentaire il vous aura plu, même si, voilà, un petit peu, il faut être indulgent, hein, d'accord, c'est mon premier fait ce commentaire dans la noyura, je suis un peu stressé, donc excusez-moi si j'ai bafouillé, etc., j'essaierai de m'améliorer. D'ailleurs, je compte sur vous les gars pour mettre un maximum de pouces bleus pour nous soutenir, pour remonter cette team noyura, et également n'hésitez pas, tout simplement, à me donner en commentaire vos avis ou même un youtubeur code que vous aimerez pour l'épisode, pour le prochain épisode de cette série, qui sera peut-être encore de moi, on sait pas, un des skills, tu me fais un petit clin d'œil, hein, en conve tout simplement, et moi tout simplement je vais vous laisser là. Oui, je suis fatigué, j'ai travaillé, je suis un peu fatigué. Donc tout simplement les gars, je vous laisse, c'était Mirage Mythix, les gars, peace tout le monde, merci encore à Iron, à Deadskill et à tous les membres de Mirage. Et dites-moi si mon commentaire vous aura plu, je vous retrouve en commentaire pour plein de réponses. Bye les gens.